Hey yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3, dans lequel nous jouons l'Empire français. Alors, aujourd'hui, va y avoir beaucoup de gestion. Comme on l'a vu sur les présidents dans les épisodes précédents, je commence à. Il commence à être un petit peu vieux, quoi. 126 ans, c'est déjà un miracle qu'il ait tenu autant. Et tac, tac, c'est là. Dans la succession, on voit qu'on a trois successeurs principaux. On a Vincent, donc mon dernier fils. On a Julien. Et on a Simon. Le petit problème, c'est que je vais avoir le royaume, enfin l'Empire de Grande-Bretagne et une partie de l'Empire de France, donc la Bourgogne. Et toute l'Hispanie, qui, à ma mort, vont partir. Et ça, c'est pas bon, ça. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, il va falloir que je me débrouille pour faire autre chose. Ce que je vais devoir faire. C'est dans un premier temps. Alors j'ai vu ça avec un bon pote à moi qui a quelques heures de jeu quand même, pas mal d'heures de jeu. Il m'a donné quelques astuces. Alors, on va dans un premier temps, c'est où? On va déshériter Vincent. Ça me coûte en renommée et en prestige. C'est le côté négatif, mais c'est pas très grave. Bon, mes vassaux sont pas trop contents, mais c'est comme ça. Voilà, ce qui fait déjà que tout revient à Julien. Julien. J'ai un hameçon contre lui? J'ai quoi comme hameçon contre le roi Julien? J'ai pas grand-chose. Donc Julien, je vais également je vais également le déshériter. Voilà, ça me coûte cher. Mais il faut. Et ensuite, il y a encore. Donc là, si je vais dans l'arbre. Et dans son arbre, c'est où déjà là, l'arbre d'héritage? C'est là. Donc, c'est où Julien? Il est où? Il est barré où lui? Julien, voilà. Donc il y aura Julien 2, Benoît, Adrien, Geoffrey, etc. Dont il faut que je me charge. T'as pas du gâteau, mais bon. On va. Petit à petit, bah, les faire assassiner. Hein. Alors, non, lui, il est en âge d'avoir des enfants, donc je veux pas qu'il ait de gosse. Donc, lui, je vais. Si je l'emprisonne, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Non, c'est un acte de tyrannie. Je vais le déshériter aussi. Lui, il risque de faire un gosse également. Ça me coûte très cher, hein, tout ça, mais.
Non, ouais, ça. De renommée. Voilà. Mon problème, c'est que si je fais pas ça, bah. Au niveau de l'héritage, ce sera pas cool. Bon. Je vais essayer de plus déshériter parce que forcément. Je perds énormément de. D'opinion de la part des vassaux, même si bon, là j'en ai beaucoup. On va éviter. Je préfère faire un petit assassinat. Voilà. Je sais que ma femme est enceinte. Elle a 8 mois. Merde, j'ai vu ça où? Jumeau, enceinte. Et c'est une fille. Ça me va. Heureusement, c'est une fille. Voyons voir. Comment je vais l'appeler? Oh, Gerberge. Attends, c'est vrai qu'elle a 19 ans en plus. Ça va pas être le dernier gamin qui va me pondre. C'était quoi? Ordienne? Vas-y, on va faire des noms random. Mélissandre, Jeanne. Au secours! Comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? On va l'appeler Anaïs. Nice. Ce niveau succession. Il y a encore beaucoup. Prétendant 2, voilà. Ah mais c'est des revendications, non, on s'en fout. Le petit gourmand. Prestige mensuel, vitesse de voyage. Oh la vache. T'es qui toi? Ah oui, c'est mon petit-fils. Celui qui a perdu Byzance, ce couillon. Ah oui, j'ai vu aussi. Regardez. La Suède, elle a cassé. Là, ça a bien cassé. Suède et Helgom, ils ont bien cassé. Il y a Norvège et tout. Ah non, Helgom, non, pas encore apparemment cassé. Bon, lui, il va pas tarder. Je l'ai pas vu, bah ils ont pu être une menace de suite. Même s'ils vont vite reconquérir, je suppose. Bon, j'en suis où au niveau. L'opinion, elle a augmenté. Ouais, ça c'est. Ça c'est bien cool. Santé correcte, vous sentez bien. J'aurai ma revendication sur le principauté de Hongrie bientôt. Non, c'est ça que je voulais voir, ouais. Voyons voir. Tout ça, ça c'est bien. Là. Eux, ils sont encore à ça trop. Y'a rien dedans ici? Merde. Je peux pas. Ah. Ok, moi bah, j'ai cliqué et ils sont fait bouffer. Pas de chance. C'est vraiment. Action, action. Physique avenant, force.
En Bohème. Pourquoi je peux lui déclarer la guerre, là? Oh! Vassalisation forcée. Alors là. Non, mais j'avais mieux. J'avais les Germanies à prendre. Arrière-petit-fils. Petite-fille. Arrière-petit-fille. Oui, on va voir, où est-ce que c'est ça. Qualité faible. Qualité décente seulement. Alors, on va lever nos troupes ici. Et c'était lui? Ouais. À moins que... C'est quoi les lignes d'héritier là? Ouais, ouais, ouais. Alors par contre... On peut créer le duché de Zab. C'est où ça? Ah ouais? Ok. Ah ouais. Ah tiens, ils sont agrandis ici. Eh ben c'est toi qui va être le duché. Le duc. Bravo à toi. T'as bien joué pour cette conquête. Je voulais voir le duc Thomas. Achat du roi Julien II. Ouais. Ah bah attends. Devient votre vassal, royaume. Ah bah oui, voilà, ça a passé de. Ça va rester en famille, quoi, c'est bien. Exercice de médiation. Oh, le pape et le duc. Arrêtez de faire vos... Hein? Allez, on enlève toutes nos troupes. Ça suffira ou pas 25 000? Qu'est-ce qu'ils sont? Hop, oula. Alors je voulais voir. Point de chefferie, ok. 7000 troupes. Grosso modo. Voilà, c'est vrai. Allez, direction Francfort, on dirait. Qu'est-ce qu'elle a fait, fornicateur? Allez. Ils ont fui Francfort là déjà. Ils ont compris. Ah, ils font un siège. Intéressant. Je prendrai 20 000 troupes et je les enverrai défendre ici. Hop là. De toute façon, oui, dit-il. Non, 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 ça m'intéresse pas. Ok, là, on va les intercepter ici, normalement. Légère infériorité numérique, mais presque rien. Tente d'échanger deux flèches quoi. Oh, oh putain. Oh j'ai pris en otage là le frère de la reine. Oh merde. Oh ça a été si rapide. Oh ça a été si rapide. Oh, oh bah. Bon bah voilà. Oh je m'y attendais pas là. Mais on a encore grandi. Franchement. C'est pas vraiment pas prévu. Oh la vache, je suis content.
Alors, on va créer les duchés, hein. Les duchés de la Hesse. Non, c'est pas ça. Hop. Ouais, on va accorder les titres. Duché de Hesse. Il n'y a pas de... Ah si, voilà. C'était... Je sais plus. On crée le titre. On lui accorde. Très bien tout ça. Très très bien. Transférer le compte. Oui. Transférer le duc. Oui. Des membres de votre famille peuvent se marier. Ah oui, forcément, ça a foutu un peu de la voix. Ah, j'ai perdu un... La duchesse d'Aquitaine. Ouais, elle a pas mal de... Pas mal d'intendance, hein. Bon, et je peux marier, lui, reine de Bavière. Ça reste un... Allez, hop. Ça fera très bien l'affaire. Et Mélissandre. À qui? Grand chose en revendication. Hein. C'est le royaume de Navarre. Oui, mais non, mais. Quelques duchés. Royaume de Valachie. Très intéressant. Un risque de consanguinité. Ah merde! C'est pas prévu ça. Non, ça c'est bon, c'est bon. Ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu. Voilà, celle-là. On peut commencer à les marier. Effectivement, avec des cultures nordiques. Là, il y a deux duchés revendiqués. Parfait. Parfait, parfait. Et c'était quoi je pouvais vassaliser une poème. Comment ça je peux vassaliser un royaume? C'est nouveau ça? Oh, bon, j'ai peut-être mal vu, hein, mais... Non, il n'y a pas le... Idylle à la bête sauvage. Ça va être chaud, ça. J'ai vu une bête hirsute dans le chenil. A-t-elle se rendre compte du subterfuge? Ah! Elle décelait ma ruse! Elle est rusée, hein. Elle est rusée, apparemment. Elle a... Ah oui, elle a pas mal d'intrigues. Ok, bon, on va assassiner le jeune prince. Il s'est perdu dans la forêt, c'est ballot. C'est mon petit-fils. Mais je dois faire ce qu'il faut pour le bien du royaume. Voilà. Ce qui fait que là, tout revient à Simon, mon fils. Qui, bon, a des stats corrects. Un peu âgé quand même déjà. Ce qui fait que ça va vite lui revenir à ses gosses là. Oh non! Oh non!
C'est un incapable. Aïe, 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 aïe. Bon. Santé mauvaise. Il est souffrant. Je suppose qu'il devrait pas... Qu'il devrait pas faire de vieux os. C'est qui le suivant? Princesse, princesse, princesse. C'est lui. Oh la vache. Le futur héritier, c'est lui. Santé plutôt bonne. Il est intelligent, magnifique, robuste, fécond. Je vais lui proposer la tutelle parce que ça va être lui mon... Ouais, non. Faut j'en finisse avec ma tutelle et je lui proposerai la tutelle. Ça va être très certainement lui, je l'espère, l'héritier. Et si c'est pas lui, de toute façon, je ferai assassiner le... Assassiner lui parce que... C'est un incapable. On va éviter, quoi. On va éviter d'avoir quelques soucis, hein. Il ne peut rien faire. Animal mystique chassé. Oh là, ouais. Tiens. Ah vache. Trame sont expirés. Ah, je peux usurper ou pas? Non, toujours pas. Alors, je vais changer mon point de ralliement, je vais le mettre là. On ira en bohème, hein, c'est... Je pense qu'ils m'en veulent pas encore trop. Ouais. Ah, non, elle était faite prisonnière, pas du bien, ok. Oh, on pouvait vassaliser. Oh, deux petites nations là. Lesquelles, lesquelles, lesquelles? Le petit roi. T'es où? Ah oui. Ah je vais prendre hein, même si c'est... Si c'est bas au niveau... Louis de Germanie, oui oui j'accepte. Bah voilà. On a encore grandi dit. Titre pouvant être usurpé. Royaume de Danemark. Mesure pour le. Et... Non, là, je peux pas. Ah, c'est une élection... Alors, je peux pas... Ah, putain, je peux pas... À qui... Ça revient à... Guiche de Unio, c'est qui lui? Mon petit-fils? Hmm. Faudrait que ça revienne à Simon, ça. Ah, il est pas dans la liste. Voter pour la princesse Héloïse pour l'instant. C'est con ça. De toute façon, je vais pas avoir le choix. C'est lui qui va être choisi. Tac. Mais c'est qui lui? Si c'est que le royaume de Danemark que je perds, pas grand chose à faire. Je le récupérerai très vite. Oh oui, on a récupéré là aussi. Je peux pas proposer la vassalité. Ah zut. C'était son culturel, ouais. C'est pas grave. Son empire, je pourrais les conquérir, hein. L'île de la roquette. Ah c'est chaud là.
Ah ok, c'est passé. Par contre, on est d'accord au niveau de la santé, Salma. Vous êtes souffrant. Ouf. Oh, manger peu de nourriture. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, moi, je vous le dis, les gars. Ça sent la faim. Vous êtes souffrant. Alors, on va faire vite quelque chose. Non, parce que je le vois venir. Quoi? Il va quand même pas mourir avant moi, lui. Je vais pas quand même mourir avant lui. Faut le faire assassiner, lui. Parce que là, je suis en mauvaise santé, là, très mauvaise santé, vous êtes souffrant. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, ça, c'est 5 ans, je suis sûr. Ah, j'ai fait un très mauvais choix, là. Merde, c'est où que je peux voir souvenir. Ah, je peux même pas voir, ouais. Ah, je regarde sur le rush. Ma fille. Gerberge. On va voir. Puisque là, ça... Ça ne s'est pas fait. Merde, putain, je suis souffrant. Pourquoi je... Quelle idée, mais... Oh. Combien de temps? Et je tente de la courtiser. Ok. Ça a marché. Par contre, je vois rien sur... Un peu manqué de nourriture. Oui. Un peu, je passe de bonne ou correcte à mauvaise. Ouf. Ouais, c'est une compagnie de mercenaires. Allez, direction la Bohème. La Bohème. Vassalisation forcée, bonjour mon arrière petite fille. Direction Prague. T'as besoin d'aide? Il faut vraiment que je tue mon petit-fils avant. C'est ce qu'on va dire, mais... Si je fais pas ça... Je risque d'avoir un infirme en héritier. Attends, priez, vous pouvez vendre des titres. Oui. De suite, hein. C'est pas prévu encore. Alors, hop, on va prendre ça. Et on va leur dire d'aller là plutôt. Intercepter leurs troupes. Oh, c'est la reine qui me fait un siège en plus. Oh, attends. C'est-à-dire que là, si je joue bien mon coup, je peux la capturer. Si je joue bien mon coup, et si la bataille se passe bien.
Ok, il les a rattrapés. C'est mon empereur qui engage le combat. Pas de capture, dommage. Bon. Allez, on va faire des sièges. Chaque baronnie. Allez, une ici. Ouais, non, mais. Une là. Une là. Une là. Une là. Une là. Je crois qu'on est bien. On va demander de l'or. Toujours demander de l'or, ça servira. Surtout quand ce sera le bordel après. Après qu'il soit mort, lui. C'est un peu le bordel par là. Par là, c'est calme. C'est vraiment calme en Italie, là, en ce moment. Là, ça fait longtemps qu'ils sont pas allés en. Qui sont pas allés chez les Al-Andalus. Oh, ça grandit là. Oh. L'âge du savoir, il mérite de connaître le dieu cornu. La gracie plutôt. Il fait des contrats, voyons voir. Oh, la reine Héloïse, comment ça? Je n'ai pas en partition obligatoire. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Ok. Les données peuvent être rançonnées. Non, toujours pas. Ça, je n'en. Négocier des alliances. Est-ils vraiment. Ils sont pas très forts. En même temps, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop fort. Il y a ça aussi. Bon, les sièges ont commencé. Pour bourg fortifié, ok. J'ai perdu un artefact, c'est pas très grave. Tant que j'ai toujours matière papale. Oh non, ça commence. On est devenu le très cancer. Oh, ça pue la fin. Je connais qu'un seul traitement efficace. Un traitement à risque peut avoir de très bons résultats, mais il pourrait également aggraver les symptômes, entraîner des lésions permanentes. Merde! Borgne. Ah! Eunuque. Bon, au moins. C'est pas borgne ça! Putain, oh mec! Ah, c'est moche! Oh là là! Oh la vache! Aïe, vous êtes souffrant, tu m'étonnes. Infirme, cancer, blessé, un manqué de nourriture. Aïe. Le cancer à 129 ans quand même, putain, c'est moche. Hein. Réussir à passer 129 ans sans un cancer, à la toute fin, ça vient quoi. Aïe. Absolument que je tienne le temps de l'assassinat de mon petit-fils.
If. J'ai perdu une amie en plus. Oh putain. Ouais, bon, ça devrait le faire, je pense, quand même. Aïe, 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 quelqu'un d'autre. J'ai pas tenu mon âme de ma soeur. Bon, elle était distante ces derniers temps. Enquêter moi-même. T'as pas honte de faire des sales choses à un mourant d'un cancer, borgne, eunuque? Ah, mais c'est peut-être pour ça que t'es distante. T'as peut-être besoin d'aller voir ailleurs, hein. Ça je te... Je comprendrai. Bon. Il n'y a pas de... Y a pas trop de problèmes, je comprends le malaise. Mais là, si tu me dis que t'as un gosse... Non, c'est bon. Là, si on me dit qu'il y a un trait enceinte... Comment dire Bon, il faut manger maintenant, mon ami. Hein. Faut manger là. C'est... Voilà, perte de stabilité. Perte de. Ouais, pff, j'ai zéro de stabilité. Hein. C'est bon, tu es moins 30 pour. Y a pénalité critique de santé. Oh la vache. Tout allait bien jusqu'à ses 129 ans. C'est pour le mieux. Parfait. N'a pas lutté lorsque l'assassin a tenu l'oreiller sur son visage. Ça s'appelle quelques petits gémissements à travers le tissu et son terre à cheval. Bon. Le pauvre était pas bien. Faut dire aussi ce qui est. Hein. Bon. Principal, c'est qu'au niveau de l'héritage, normalement. J'ai lui là, mais. M'en fous, c'est que tout revienne à lui et que son héritier ça soit que lui. J'ai déjà une tutelle en cours ou... Comment ça se passe? Pourquoi? Ah, j'ai une pupille, ah, j'ai deux pupilles. Combien? 8 ans et 15 ans. Ok, lui, cette tutelle elle est bientôt finie. Ce serait bien que je la commence la tutelle parce que. Oh là 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 là. Ok, j'ai fini un siège. Augmente le développement comptable. Du développement. C'est intéressant de le mettre à Rouen, ça, non? Je suis en combien en développement? C'est pas mal. Est-ce que je peux l'augmenter encore? Ah ouais, j'ai eu une bataille là. J'ai pas eu. Info supplémentaire. On va faire ça. Y a pas, hein, j'ai pas une décision. Je peux faire ça aussi. Non, c'est peut-être plus tard. Ok, j'ai réussi mon siège. Appuyer les exigences. J'ai beau avoir un cancer, je vous défonce la tronche.
J'appuie mes demandes, je disperse tout. Hop là. Et je peux créer le duché de Bohème. Hop. Bien sûr, c'est toi qui va être pièce de Bohème, faut pas déconner. Voilà. On a encore gagné un petit morceau. Il va aller sur ses 130 ans hein, bientôt, il a 120, ouais, 129 et demi là. Pas des exemplaires des écritures examinées dans la salle de jeu. Être humble, être cynique. Ah, carrément. Être content. Opinion de la part. Oh, opinion de la part du vassau, esprit de cocher, de clocher. C'est bien ça. Ouais, c'est bien content. Pas content. Oh la vache. Ouais, ouais. Elle a 108 ans de moins que moi, ma femme, quand même. C'est magnifique. Ah là 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 là. On a bouffé un morceau, là. Chef manier s'améliore nettement. Alors, oui, ça me fait... Alors ça me fait rigoler, parce que... Amélioration des relations religieuses. Votre pape, non, votre chapelain de la cour du pape 3 devra améliorer les relations religieuses. Donc, il est censé améliorer les relations religieuses avec le chef de foi. Donc, le pape étant le chef de foi, il est censé améliorer les relations religieuses avec lui-même. Je sais pas, après je dis ça. Je dis rien. Augmentation de la pognon vassale. Ah non, ok, ce sont des vassaux. Okay. Convertir un comté. Est-il vraiment encore des coins ou... Ah, c'est orthodoxe là. Ah, il y a quelques coins où c'est orthodoxe, ouais. Ça terminera dans 23 mois, 3 ans, 2 ans, 23 mois. Même là-bas, ils sont passés. Ouais. Insulaire. Oula. On va s'occuper des insulaires, là. C'est pas normal. C'est lui, là, qui est insulaire, ou... Ah, non, non, c'est vraiment, là... On voit le pape. Il aurait été efficace, quand même, le pape... Pas déconner. Non, non, fini avec les guerres. On aurait pu. On va le laisser mourir tranquille. Mais normalement, faut pas déconner. Ok, il y a le royaume de Nicée là. T'as un royaume? Oh ouais. Ouais, c'est le duché de Thessalonique. Oh, duché de Thessalonique. Attends, 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 attends. Non, Despota, ouais. En train de me piller, là. Ouais, bon, c'est pas à moi après. Ça, je m'en fiche. Fin des études, alors, le duc de Thrace. Attends, mais du coup, il devient adulte. Fin tacticien. Oh, et attaquant agressif. Oh, mon dieu. Eh ben, ça, c'est pas mal. Ce qui fait que je vais vouloir hop, prendre en tutelle ce gamin-là.
Non, 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 non. Proposer la tutelle, moi. Viens là. Voilà, il sera content. Vincent, on va lui en choisir un autre. Hein. Guichard. Oh la vache, ah oui, Guichard. Vincent, soit Martial. Mais là, il y a quelque chose, moi, qui me... On est d'accord, il a des revendications sur tout l'Empire byzantin, là. Est-ce que... Non. On parlait du duché de Jure, comté de Jure. Non. Je peux pas éloigner d'une autre. Oh non, sérieux? Bah, eh oh, ça touche. Ah non, il y a du fait de Thessalonique. Et là? C'est la religion. On va lui proposer une exemption religieuse ici. Ça me permet d'avoir un territoire commun avec, avec un peu plus de gens, je vais pas dire non. Allez, il accepte. De toute façon, lui, il passera plus tard, et je lui exigerai la conversion. Toujours trop loin, là c'est une principauté. C'est un duché, ça, c'est vraiment un duché. Ému par ma souffrance, le roi Julien m'a offert son aide à plusieurs reprises dans l'histoire d'alléger le fardeau de mes fonctions. Ce sont tous les trois intérêts en entente. Ils veulent le pouvoir. L'exemption religieuse, il veut pas. Et là? Oh, pour un prêt. Je vais apprendre la langue, ça se trouve, il voudra bien. Artefact délabré. Je savais qu'il y avait un piège, mais d'accord. Oh. Obtient un hameçon faible contre vous. Non. C'est hors de question. Et on sont... Oui, oui, oui. Allez, on va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Nous attendons la douce faucheuse, tranquillement. Et tout en stabilisant un maximum notre royaume. Donc pour ça, on a réussi à gérer les problèmes de succession. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Thiob.